Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je suis dans le désert, et quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert, tous les rêves un peu truqués qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Quelqu'un des années qui était, hein, de ces années-là, quoi. Voilà. Non, il n'y a pas un brin de vent. C'est super calme. Super calme. Suis obligé de. Hein? Voilà. Parce que bon. Ça, c'est quand même bon. Enfin, c'est quand même bon. Moi, j'aime bien. J'ai peut-être pas laissé au soleil. Ah oui. Toujours. Toujours. Quand tu prends ça, tu es sûr que c'est bien des yeux. Non, c'est parce que bon, il y a une date quand même. Hein? Oh, bah évidemment, avril 2022. Oh, bah ça va. Non, ça va. Avril 2022, on est qu'en août. J'ai eu balancé, regardez dans vos placards, les boîtes de conserve de haricots ou de faillots ou des sardines. Oh, les sardines, ça, bon, on peut les garder, mais il y a des trucs qui doivent avoir 2 ans. Deux ou trois, voire quatre. Moi, quand j'ai déménagé, j'ai retrouvé des boîtes de conserve de quand j'avais acheté à la maison. 17 ans. Mais la péremption, elle n'était pas de 17 ans. Hein. Parce que quand je l'ai acheté, il y avait, je sais pas moi, 4 ans. Donc tu fais 17 moins 4, ça fait. On m'a dit, non, tu calcules un petit peu. Hein. Tu peux faire un effort quand même. Et ici, avant, il n'y avait rien. Et on m'a dit que, à quelques kilomètres de là, avant, il y avait la mer et il y avait un port. Et ils ont été obligés de reculer le port parce que l'eau, elle est partie. Mais il y a des millions d'années, hein, évidemment. Et donc, de là, après, c'est devenu le désert. Alors ici, c'est un caillou vachement gris, on ne sait pas pourquoi. C'est poussiéreux, quoi. Ici, ils ont fait pousser des cailloux poussiéreux. Nous, ce qu'on fait chez nous, on balaye le matin, on se lève, on enlève la poussière. Non. Ici, ils font pousser de la poussière. Voilà. C'est comme ça. Et avec le vent, ça va partout. Hein. J'ai ouvert un tiroir. Enfin, regarde chez toi. Là, dans ton meuble sous la télé. Où il y a des vieilles télécommandes, sûrement une vieille PlayStation. Je donne le nom, t'as vu? La une. Stop. Je donnerai pas le nom des autres, m'en fous. Il y a des trucs que les gosses, ils ont laissés. Et ben, le dernier tiroir qui est sous la télé. Tu vas tirer. Tu vas regarder les anciens jeux, les télécommandes, les bouquins, de la télé, du magnétoscope, du truc. Et ben, regarde bien la poussière qu'il va y avoir dedans, c'est impressionnant. Fais le test. Hein, tu fais le test et puis tu me dis. Voilà. Et puis si un jour tu t'emmerdes et que tu fais ce qu'il y a au-dessus, la télé, genre la petite bibliothèque, avec des trucs, tu prends 3 bouquins. Bon, 4 si tu veux, ouais, parce que comme tu as décidé de me faire chier, je dis 3, tu vas prendre 4. Je sais parce que j'aurais fait pareil. Sauf que moi, j'aurais dit 4 et puis j'aurais pris 3. Parce que je suis un peu feignant quand même. Et tu prends dans l'ordre que tu veux, hein, les livres que tu veux, dans la même langue, hein, évidemment, hein, tu fais pas, parce que sinon, faut que tu parles 3 langues, ça va pas être pratique. Hein. Moi, je te lis, tu vas perdre ton temps, tu vas me dire, hein, qu'est-ce qui me fait faire comme connerie. Alors, je te prends 3 livres, et puis tu lis la page 52 de chaque bouquin, et puis là, tu fais un résumé. Que la page 52, hein. Si ça commence, la phrase, elle est pas finie, bon, bah, tu commences après le point, quoi. On t'attend pas, s'il y a un point à la demi-page, bah, tu n'auras qu'une demi-page, hein, puis c'est tout. Et bah, tu lis la page 52 de tes 3 bouquins, et puis tu fais une histoire avec ça. Voilà. Comme ça, on écrit des trucs. Voilà. Puis tu m'en reparles. Puis, au moins, ça te fera lire un petit peu, parce que franchement, tu as quand même besoin. Hein. Non, mais. Je dis toi, mais c'est pas vraiment toi qui es là en train de regarder la vidéo sur ton téléphone, aux toilettes, ou
ou dans la cuisine, ou je sais pas, ou dans la voiture, est-ce que tu te fais chier derrière parce qu'il n'y a rien à voir, hein. Il y a des paysages à voir, hein, en voiture. Bon, allez, je vous laisse, moi je finis de bouffer parce que après j'étais un petit peu d'occupation. Hein. Voilà, la dernière tranche, hein. Et puis salut. Hop. Et n'oubliez pas, Nescafé.